Salut à tous, c'est Mister quoi déjà? Freeze? Ouais, c'est ça. Et on se retrouve pour la suite, et on va parler à Humphrey. Non, juste dans les magasins, pas dans les heures. Putain, les dialogues vont vraiment à 2 heures. Je fais exprès pour que tout le monde ait le temps de lire, mais là c'est abusé. Je pense que ça multiplie le temps de jeu par deux là. Putain, c'est romantique. Hein. Enfin, une petite accalmie dans l'histoire, hein, c'est sûr. Merde. Il y en a des choses à dire. Cet homme a l'air heureux. Sérieux? normal. Le gars, il me fait dire un mot, on dirait qu'il fait la gueule, et en fait, non. Des persos un peu bizarres. Un chien. Ah, c'est vrai qu'il y en a pas mal, des villes de kobolds. Ah, c'est normal, hein, là où il y a des hommes, il y a des chiens. Je regarde juste s'il n'y a pas de dialogue caché. Bref. Il me semble que... Une maison avec un truc à faire quelque part. Quelle bonne idée. Mon dieu, il est parti. Bon, on s'en branle. Il s'en tape complètement. Ah non, il l'a suivi. Ouais, du coup, je sais qu'il y a une maison. On a une recette ou un truc du genre. Ah, est-ce que c'est là?
Sinon ils sont en forme, mais perso, ouais, c'est que je les avais soignés à la vidéo d'avant. Alors il y a aussi un autre truc, parce que là, bon, c'est une quête annexe, hein. Donc j'en profite pour parler des choses annexes à faire. Il y a un perso, enfin c'est pas annexe, mais... C'est un annexe, c'est pas obligatoire, mais... faut le faire. C'est... Le perso que j'ai loupé au tout début du jeu, là, dans notre village d'enfance, Moku Moku. Espèce d'écureuil, là, où fallait parler trois fois à un arbre. Enfin, appuyer trois fois sur X devant l'arbre, je veux dire. Parce que parler trois fois à un arbre, pas un problème, quand même. Et, on peut la voir autrement. En restant sur un chemin. Entre Green Hill et la frontière Mus Green Hill. C'est peut-être elle. Putain, mais c'est qui nous donne ce putain d'objet de mort? Peut-être... Je suis sûr qu'il y a un... Ah mais non, je sais où c'est. On va aller chercher Kent, parce qu'il va se faire bouffer par les monstres. Ah oui, petit détail, si vous trouvez que vous allez trop lentement sur la carte, il faut que vous preniez Stallion avec vous. L'elfe là qui court super vite, parce qu'il permet de courir plus vite sur la carte qu'on l'a dans l'équipe. Je le ferai peut-être plus tard d'ailleurs, parce que c'est assez chiant là. D'ailleurs j'aurais dû le faire dans certaines vidéos, ça aurait été moins chiant. Et bref. C'est dommage parce que j'ai pas des persos très puissants. Ouais, de temps en temps, il y a une grande brume comme ça et on voit plus rien. Ça nous ramène là. Merde, comment on fait? Ah, mais putain, j'oublie un truc. C'est un gros boulet. En fait, je parle d'un autre truc. C'est une chose qu'il faut jamais faire avec moi. Et du coup, bah j'oublie tout. Fallait pas y aller tout de suite. C'est sympa le... à l'arrière-plan. Et je veux bien un truc. Où ils sont? Faut que je trouve Fudge. Putain, mais y a trop de maisons vides là. Auberge, elle est où? C'est là? Ouais. T'as qu'une auberge et des maisons quoi. Est-ce que Humphrey peut m'aider? Ouais, c'est ça. Demain. Mais... C'est un truc qui sont plus pourris ou il est con? Quoi? Ils sont pas sérieux. Mais ils me suivent pas. On va dormir, hein, c'est ce que... Oui, c'est ça. Donc faut dormir, du coup. Tu vois qu'on va retrouver son cadavre, ça continue. C'est un peu con, quand même. Ce jeune. Il a l'air très jeune, là. Ce jeune paysan de 40 ans. Moi, je croyais qu'il l'avait su.
Faut retourner la faveur de quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il nous avait payé le... Monsieur Mr. Freeze. C'est pas... Il y a une ambiance bizarre. Il est vraiment bizarre même frère, il est vraiment... Je sais pas comment dire. On va enlever... Allez, on peut pas enlever Nanami, parce que... Bah, quête principale. On peut pas enlever Mfray, parce qu'il est dans la quête. Et il s'est mis tout seul, hein, parce qu'il m'a resté un emplacement libre. Et on va enlever qui? Bah, on va enlever Tsai, c'est le... plus pourri, on va dire. Il est pas mauvais, hein, Tsai. C'est pour dire. Voilà, on va faire une grosse ligne de front de barbare comme ça. Voilà. C'est quoi bac de garde déjà? Ah ouais. Je l'ai eu à la dernière vidéo je crois. Dans la forêt. Alors il est possible que je loupe des coffres hein, des fois dans le jeu. J'ai jamais dit que je faisais le jeu... avec tous les objets et tout. Hein. J'essaie bien sûr de prendre le max, de montrer le max de choses, de faire découvrir le jeu à personnes qui ne connaissent pas. Mais voilà, niveau des objets, c'est pas sûr que je prenne tout. Par contre, je recruterai tous les persos, ça c'est sûr. Parce que c'est un peu le truc le plus important dans le jeu. Ça permet de voir tous les persos, voir toute leur personnalité. Et surtout, d'avoir la meilleure fin. Parce qu'il y a 4 fins dans le jeu, il me semble. Alors je montrerai la meilleure, c'est sûr. Je dirai comment avoir les autres, mais je suis pas sûr de toutes les montrer parce que ça va être le bordel à faire. Voilà. Donc go dans la montagne Rakutei. Ouais, donc ça refait ça. Donc c'est la rune bouclée lumineuse en fait, hein. C'est pas... Voilà, qu'il le fait que quand les autres sont avec nous, mais bon, c'est pas grave. C'était pour les besoins de l'histoire, dirons-nous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Train spécial. Et lui non plus en fait. Il a une lance, donc c'est un peu comme ça en fait. Il a pas de runes particulière. Il faudra vraiment que je passe un forgeron un de ces jours. Pas mal. Bah écoutez, ce qu'on va faire, si j'y pense, hein, parce que je le dis, mais si j'y pense, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura fini la quête principale, là, parce que là on... On est quand même en plein milieu de la quête principale. Oh putain. Yes. Et ben on va améliorer nos persos avec tout ce qui est. T'as mis son trop là. On va faire ça. Avec tout ce qui est ouais, armure, parce qu'ils prennent trop cher. Et surtout, reforger les armes. Parce que si j'attends vers le forgeron, qui est super tard dans le jeu, ça va pas le faire. Non, on fait très peu de dégâts, eux. Oh, yes.
Ça leur fait peu de dégâts, mais bon, ils ont pas beaucoup de vie, donc... Ok. Dans quel état ils sont? Ouais, on va faire... C'est que Victor, il est en papier, là. Avec... Putain, il a un chaîne mail, pourtant. Ouais, mais... D'accord, quoi. Ridicule. Ouais, ils ont plus grand-chose. Je sais pas si l'état de... Comment il s'appelle? De Fudge va être conservé. Alors là, je suis pas trop joué, je vous avoue. Hein. Je suis un peu au pif en essayant de pas aller trop vite pour récupérer les coffres. N'importe quoi les bruitages. C'est chiant ça. Ah, ils sont super agiles en fait. Putain. Elles ont de l'esquive. Le truc c'est que j'ai vraiment rien là, donc j'espère que je peux me faire démonter à la fin. On va juste surveiller les PV. Putain, j'aurais pas dû prendre ce perso là. Amulette du tonnerre. C'est quoi? Merde. Putain! Wouh! Putain. Ça c'est puissant. Ah, ça donne envie de récupérer tous les trésors de la montagne quand même. Oh merde, hein, y a un moment. Putain, en plus, ils nous mettent 50 ennemis quoi. Je sais que c'est du 6 contre 6, mais... Mais c'est un RPG, moi j'ai pas l'habitude de... d'être en infériorité numérique. Voilà, là voilà, 6 contre 2. Là, ok. Ouais, les joueurs de RPG, c'est des lâches, hein. C'est... Ouf. Tel, quand elle s'y met... Oulan... Elle casse des culs. Je retourne à droite encore, peut-être. C'est bien, on fuit assez facilement, mine de rien. Je sais pas par où c'est. Alors eux peut-être qu'ils... Ah si. Je me disais, vu qu'elles ont des ailes, elles sont rapides, elles peuvent nous rattraper. Mais non, c'est bon. Putain, mais je comprends rien à la montagne. C'est putain d'incompréhensible, le truc. Des chemins partout. Unique plan... Ah, ça c'est bien. Alors les plans, ça servira plus tard à construire des statues dans le château. C'est pas une blague, hein. Et ça nous donnera des objets, en fait. Putain, c'est... J'aimerais bien voir la map du truc, quand même. Putain, elle doit être assez immense. Putain, parce que là, si tu l'as fait en entier, laisse tomber, hein. Putain, vous vous rendez compte, là, le nombre d'heures que ça prend pour tout faire? Là, j'exagère, mais ça fait au moins le double du temps, hein. Du coup, on a quoi, maintenant? Attendez, on va mettre à Victor, parce qu'il est vraiment en papier. On va lui mettre... ça. Merde. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Ah, c'est le joystick, hein, il aime pas. Hein. Ça part toujours un peu à gauche, je sais pas pourquoi.
Je pense que c'est ma manette qui est un peu bousillée aussi. Après, cette manette, c'est de la merde. On la lance contre le mur 4 ou 5 fois et... elle marche plus, quoi. Ah, il y avait un coffre au-dessus. Là, je comprends ceux qui aiment pas le combat aléatoire. Quand ça me cassait les couilles. Remède, ouais. Oh non! Putain, ils font aucun dégât. Ah, j'aurais peut-être les combattre. Ah non. Yes. C'est vrai que je pourrais les combattre parce qu'ils font pas très mal, mais bon. Je perds de la vie pour rien. En fait, le problème, c'est pas les combats aléatoires, c'est la fréquence. Enfin, il y en a trop. Au pire, ouais, je reviendrai dans la montagne après la vidéo pour récupérer tous les coffres. On peut faire comme ça. Comme ça, vous voyez pas 10 millions de combats aléatoires et quelqu'un marcher sur le même décor pendant une demi-heure. Enfin, 40 minutes plutôt. Parce qu'une demi-heure, là, on va les faire, je pense. Et puis ouais, je vous montrerai les objets que j'ai reçus. Ah mais putain. Avec les animations bien lentes. Ah ouais. Faut que je fasse gaffe parce que je vais retrouver contre un boss avec 2 points de vie si je continue. Du coup, on va continuer à la droite, hein, parce qu'apparemment... Ouh, là faut que je m'enfuis, hein. Yes. Si je me retrouve contre un groupe de 6 avec plus de vie là, ça va. Je vais douiller. Oui, ça va. Bon, en fait, ça va. Ça en est plus. Bon, on va pas redescendre. Hein. On va même faire pot de 20, tiens. Oh! Quoi? 21 000! Putain, mais c'est des malades! C'est un cinquième de ma thune, là. Un sixième, allez. Allez, on va foncer en haut maintenant. Voilà. Non. C'est pas un dragon, mais une harpie! Mettre ça, parce que c'est assez sympa. Heureusement qu'il y a Nanami et le perso principal, parce que sinon on se fera défoncer là. Pas mal. Elle attaque deux fois. Lui, je l'ai tellement mis des trucs cheatés, il sent plus rien. Shoryuken. En plus, celle-là, ouais, ça le blesse même pas, toi. Donc. Ah, elle peut le faire qu'une fois, d'accord. On va taper, hein, plutôt. On se manque qu'il y avait le truc de Nanami. Thank you.
Putain, c'est un vrai tank lui maintenant. Après, c'est pas un perso excessivement fort. Hein. C'est juste que ouais, je lui ai mis un équipement de malade. Comment on va faire? Parce que là, si on fait ça. Non, on va lui faire attaquer. Non, on va lui faire ça. Et lui, il va soigner tout le monde. En espérant que ça se lance avant qu'elle nous fasse une attaque de zone dégueulasse. Yes. Un fou furieux hein, qui permet de faire beaucoup plus de dégâts du coup. Elle peut refaire sa rune. J'ai pas compris, elle peut le faire une fois sur deux, c'est ça? Elle va utiliser son autre truc de soin. Et là on va brûler. Ah oui, putain, ça fait trop mal ça. Putain. Pas mal. Le gros point faible de Skullen 2, c'est que les combats sont très lents. Il peut rien faire, hein, de toute façon. Pourquoi je peux pas faire défendre? Merde, je bug. Je crois que c'est ma manette. Attendez. Putain. Ah, ma manette, elle a des petits problèmes en ce moment. Je peux rien. Putain, je peux rien faire. C'est ce délire. Ah mais non, mais t'es pas sérieux là. Ouais, me revoilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un petit problème de cadrage. Parce que du coup, ouais, ça voulait pas marcher. J'ai dû relancer l'émulateur et sauvegarder entre les deux. Ok. Ah, le son déconne complet là depuis que j'ai relancé le métier. Ça serait ta mère. Putain, mais jamais le crève. Voilà, donc il n'y avait pas de dragon. Hein. C'est pas vrai! Oh, mais bah putain! Ah là, oublie, je coupe. Hein. Oh non, mais c'est pas possible. Ah, je vous promets là, maintenant, je vais améliorer les persos parce que. Enfin, au moins les armes parce que là, c'est plus possible. Ça devient n'importe quoi. Thank you.
Ouais, donc c'est pas fini. Et voilà un œuf. Un yuf de dragon! Ouais. Jamais vu un yuf pareil. C'est peut-être que ça. Ah, c'est pas un yuf, c'est un iuf. Parce qu'il y a un tréma, pardon. Traduction de merde. Tom, ça casse tout. Raciste. Il est ouf, lui. Oh, il est tout mignon, on dirait un Pokémon. Est blanc. Ce qui m'énerve en fait dans la traduction, c'est que tout le temps il vous voit pour rien. C'est ça qui me... Je sais pas. C'est là qu'on voit. Comme si c'était pas des Français qui avaient fait la traduction, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est ainsi que nous recrutâmes de nouveaux persos. Et le dragon, on peut pas l'avoir. Hein. De toute façon, c'est un bébé, donc. Donc non, on ne peut pas contrôler le dragon, malheureusement. Et je crois même que non seulement on peut pas avoir le dragon, mais même Fudge n'a rien de spécial, c'est juste un mec qui a qu'une épée en fait. Bah de toute façon on l'a vu combattre là, mais il a rien de spécial, il a pas de rune dragon, il a... Bon, il y a un paquet de persos comme ça en même temps.
Voilà, donc c'était une petite quête annexe, comment dire, assez sympa, qui permet de recruter deux persos, et bah, comme je vous l'avais déjà dit, soit vous les recrutez, soit c'est mort. On va faire ça. On va sauvegarder. Ce qu'on va faire, je vais sauvegarder là, et je vais aller retourner dans la montagne. Récupérer tous les objets que j'ai pas récupéré simplement hein. Dans le bah dans la montagne. Mais par contre ça me gêne. Il est où Kent? Il est au Kentucky? Haha. Putain, je suis trop drôle. Non, sans déconner, il est où Kent? Parce que je crois que c'est dans la maison de Kent. Mais c'est Kent ça, non? Yes. Alors ça doit être sa mère qui donne. Ah voilà. Je savais qu'on aurait cette putain de recette. Et du coup, la recette du Obento. Voilà. Donc bah, je vous quitte ici et puis on se retrouve la prochaine vidéo pour la suite de l'histoire. Salut.